Bonjour tout le monde, encore le temps de faire une nouvelle recette. Tout d'abord, avant de commencer, il y a une belle activité chez le Barbecue La Bonté aujourd'hui. J'aimerais remercier Michael du Maître Fumeur, vraiment été génial de ses conseils, puis il s'est donné au bout. Après ça, j'aimerais ça remercier André des saucespiquantes.ca, qui a fait pareil, écoute, il nous a aidé dans le tapis au magasin, ça a été vraiment génial. Puis ensuite, peux-tu m'aider? J'ai oublié Simon. Le nom. Simon, excuse-moi Simon, j'ai pas oublié ton nom, mais là j'ai brûlé de ma journée. Fait que Simon du Castor Fumé aussi, il fait pareil, il a aidé à Michael à faire la cuisson aujourd'hui. C'était vraiment c'était un événement super réussi. Donc, bravo tout le monde. Fait que à soir, on y va du tomahawk. On va faire de la viande à soir. Ça, c'est mon ami Daniel, la charcuterie du marché, qui m'a fait des coupes comme ça que je vends au magasin Barbecue La Bonté. Fait que, à soir, on essaye ça. J'ai eu ça hier soir. Fait que je ne parlerai pas du restant des accompagnements, les légumes, tout ça. C'est comme à l'habitude. Donc, un bon Spencer à la coupe tomahawk. Écoutez, regardez l'épaisseur, c'est vraiment débile. Fait qu'on va vraiment faire ça simple. Huile, épice vitale, Montréal. Je vais mettre l'épice bootlegger pour venir mettre un petit côté texan. Puis après ça, on met ça sur le grill, on va saisir, on va cuire tranquillement, puis on revient plus tard là-dessus. Cool! Bon, on est rendu à la saisie du tomahawk. Yeah! Regardez-moi ça, la pièce de viande. J'ai préchauffé le barbecue au maximum présentement. Fait qu'on vient mettre directement sur le charbon. Je viens remettre la couche d'épices que j'avais pas faite sur l'autre côté. Donc on va saisir 4-5 minutes chaque côté. Chercher la saveur. Puis ensuite de ça, on va tasser sur le côté à l'indirect. Puis la cuisson, écoutez, c'est la première fois que j'en fais un. Fait que j'ai aucune idée le temps de cuisson. Je vous en reparlerai, mais ça s'est fait tantôt. Mais moi, je dirais peut-être 20 minutes à une demi-heure en indirect. On va voir si t'es bon, puis t'as fait un bon guess. On va faire fumer ça pour aller chercher un peu de la saveur. Je vais probablement prendre... ben, je sais pas, je vais regarder ce que j'ai en frais de copeaux, là. Fait que gardez ça, la belle pièce de viande. La pièce tomahawk. La pièce tomahawk, c'est dans le fond, c'est la coupe, mais c'est un Spencer de base. Donc, c'est cool. On se revoit tantôt. Puis, ça a pris combien de temps? Ben, écoute, j'ai pas tout à fait eu directement, mais je pense que je vais avoir comme 15 minutes over. Mais pour la première fois, c'est quand même bien. Regardez-moi ça, par exemple. On vient de rouvrir ça. Viens voir la pièce de viande là. Je pense que ça valait la peine d'avoir le petit 15 minutes de plus. Mais regarde, on va tout marquer ça sur la recette. Là, il n'y aura pas de trouble. Fait que là, on est rendu. Voilà. Hey, en même temps, là, tu sais, c'est comme une émission un petit peu barbecue de la bonté aujourd'hui. Là. Je voulais juste remercier tous les clients qui ont passé au magasin. C'était vraiment trippant. On a eu du fun avec toute l'animation qu'il y a eu. C'était vraiment cool au bout. Fait que merci tout le monde. On continue la bouffe. Un petit passage comme ça. Parce qu'avant que le feu pogne dans mon copeau. Hey, en fin de compte, j'ai fumé avec du chêne. Fait que là, regardez-moi ça. On met trois manches tout sur la plaque volcanique. Comme ça ici, tout simplement. On va venir mettre. J'ai mis poivron orange avec échalote. Puis on a mis une sauce de Dan. Dan. Fucking Dan, le Texan. Ça donne vraiment un bon goût. Je vais mettre ça à la plaque aussi. Tranquillement de même. On va refermer le couvert. Moi, ma viande est pratiquement 5 degrés pour être saignant. Environ, j'étais à 130. 135, on la sort, on va laisser reposer. Puis après ça, on va monter les assiettes. Puis nous autres, on a faim aujourd'hui. C'était... T'as travaillé fort. Ah ouais, puis c'est la journée barbecue aujourd'hui. Yes. Donc, cool. Il fait beau. Fait soyez barbecue. Yes. On ferme ça pour perdre le feu. OK, on vient de couper, regardez la viande, là. Cuisson parfaite, à point, génial.
la coupe Tomahawk Spencer de notre ami Daniel de la boucherie, de la charcuterie du marché. C'est vraiment super. Fait qu'on va monter nos assiettes. Je refermerai pas parce que là on a vraiment faim. Fait qu'on coupe ça. On va servir des petites slices de même. Des tranches. Des slices tranches. Directement à l'assiette. On va avoir des bonnes sauces. Avec la bonne compagnie. Belle maman est ici avec nous ce soir. Fait qu'on va faire une bonne bouffe avec du bon vin. Enjoy tout le monde. Bonne fin de semaine. Bye.